Et bonsoir, bonsoir, ou rebonsoir même pour nos amis viewers sur le stream. On repart directement. Bonsoir. Voilà. On repart directement. On était sur le chemin du retour de chez Crane, le frère jumeau de Dileas. Et Kaito avait quelques questions à poser à Dileas sur le chemin. Tu veux dire crâne, pieu, lézard, clair de la roseraie, de je sais plus quoi? Claire de Gauzeray. De gauzeraie. Alors, De la si vous voulez, rosée. vous pouvez lancer Claire de la rosée du matin. un petit jet de religion pour savoir qui est Gauzeray, quel dieu il est, machin, tout ça, si vous voulez. Tous ceux qui ont le savoir religion. Ah, je l'ai pas celui-là. Je l'ai. Pas très religieux dans religion. le Oh, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On n'est pas dans le groupe. Sans nous, on n'est pas très. Voici, hein, Zazu, il doit avoir ça, religion. Ouais, je l'ai, mais je le vois pas. Il est... C'est le dernier, non? Je crois que Nzaro, Bah c'est le alors, dernier religion. connaissance, religion. Connaissance, religion, Ah, c'est le dernier. c'est... Putain, j'étais en train de... Ok, connaissance, religion. Ah, session 60 et quelques, là, quand même. Non, non, mais j'étais que sur religion tout court, hein. J'étais en train de chercher. Tiens, c'est pas de souci. Alors, Wow. Gauzeray, c'est le dieu du climat, des océans et du climat des océans et de la nature en général, on va dire. Il est représenté comme ça. Alors, je sais pas si ça va bien se C'est voir. large. Voilà. Donc le ciel et la terre, l'océan et le climat. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Ok, donc, Kaito, les questions que tu avais à poser à Dileas sur la royauté. Oui. Alors, Dilès, j'ai entendu là ce passant nous dire que le trône était maudit. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur enfin, les précédents personnes qui ont régné et de quelle mort elles sont décédées? Quelle était Oui, leur alors je ne connais pas de tête tous les rois et reines de Corvosa et leur mort, mais la mère de notre très cher roi Éodred est morte dans un grand incendie qui a ravagé la ville de Corvosa et on l'appelait Domina, hein, la mère de Éodred. Et bon, c'était une reine qui n'était pas très appréciée du peuple. Hein, et elle était déjà une. Elle était la. Comment on dit la. C'était la demi-sœur du roi qui était avant elle. Donc c'est pas son père qui était roi avant elle. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc son. Du coup, c'est son beau-frère, enfin son demi-frère plutôt. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Son demi-frère, du coup, est mort, lui, d'un. On ne sait pas trop, d'une maladie mystérieuse, un peu magique, un genre de malédiction, enfin de truc que les médecins n'ont jamais compris de quoi il est mort, mais c'est pas naturel, quoi. D'accord. Et ces maladies ou ces, enfin, on peut remonter loin sur les prédécesseurs qui sont morts de morts non naturelles. Allez, il faudrait que je vérifie, mais dans mes souvenirs, je crois que tous ceux qui se sont assis sur le trône ne sont jamais morts de mort naturelle, oui. Mais là, le dernier C'est quand même roi, étrange. il a été empoisonné. Oui, je n'appellerais pas ça une mort naturelle.
Donc ça se peut qu'il ait pas été empoisonné par quelqu'un et... Bah si, peut-être, mais du coup c'est une personne qui en veut ou... peut-être que quelqu'un en veut à la lignée, hein. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est pas forcément l'objet qui en veut, le trône juste, qui bah, maudit. C'est... Oui, voilà, tout le monde dit la malédiction du trône écarlate. Ça ne veut pas dire forcément que c'est une malédiction qu'un mage puissant a lancé sur le trône en lui-même et tous les descendants. Voilà. On dit qu'il est maudit car les rois et reines qui s'y assoient ne peuvent ni créer de descendance ni mourir de façon naturelle. Vous avez une petite idée sur ce qui pourrait leur... Oh là, oh là. Non, je préfère ne pas m'occuper de ce genre d'histoire. Vous savez, les bon, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que la ville de Corvosa est un petit peu. Vous savez, moi, je suis archéologue, hein. La ville de Corvosa est un endroit... Bon, c'est une ancienne colonie, vous savez, donc forcément, elle a piqué le territoire à quelqu'un avant. Hein, donc, s'il faut... voilà, moi, je ne sais pas. Hein, je ne vivais pas à cette époque-là. Hein. Je trouve qu'il a... Ouais, moi aussi, je ne le trouve pas du tout franc là-dessus, Dileas. Il sait quelque chose et il lâche pas du tout, il lâche pas le morceau. Il y a moyen de le pousser un peu, là. Tirer un peu la barbichette. Un petit jet de quelque chose pour le. Pour un jet de quoi moi, bah, je veux dire, non mais de là, Dileas, vous êtes. Allez-y, dites-nous vraiment, on est prêt à entendre. Vous savez quelque chose là, ça s'entend, dites-nous. Non, moi je ne sais rien, je ne suis qu'un honnête citizen, j'allais dire. Un honnête citoyen qui, voilà, je m'intéresse à l'histoire, je trouve juste étonnant. Je trouve ça étonnant, c'est tout, voilà. Parce que demain, on va quand même être garde de la reine, là. Donc nous, il nous faut être au courant hein, de ces choses-là. Mais moi, je ne sais pas. Alors par contre. J'ai cru comprendre, parce que, comme vous le savez, peut-être la maréchale est une de mes clientes, et du coup, je lui rends visite, et elle me rend visite de temps en temps. J'ai cru comprendre que deux grands malotrus étaient encore en train de courir dans les rues de Corvosa, et vous avez réussi apparemment à empêcher, en tout cas, une explosion gigantesque qui aurait peut-être pu être prévue pour ce moment-là. Alors déjà, je ne sais pas, mais préparez-vous peut-être à choper ces deux-là, je pense qu'ils tenteront quelque chose, non ? Ouais, il va falloir aller revoir la maréchale pour lui expliquer un peu qu'elle essaye de faire du lien entre bah, les successions de règne et ces personnes-là, ces lames et sûrement leurs commanditeurs. Leurs commanditeurs ? Vous pensez qu'ils n'ont pas agi d'eux-mêmes ? Je ne sais pas, mais c'est possible que non. C'est possible qu'ils ne soient pas bah, leur propre chef sur des opérations d'une telle ampleur. Intéressant. Écoutez, j'imagine que le temps nous le dira. En tout cas, j'avais raison. Il faut qu'on se prépare à tout imprévu. Ça sent le grabuge. Oh oui, je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Moi alors, parenthèse, je fais une petite parenthèse. J'ai eu beaucoup de mal à traiter ce passage parce que moi, je sais toute l'histoire et j'ai du mal à estimer ce que Dileas pourrait savoir. Du coup, dans le doute, je préfère pas vous dire grand-chose. Voilà. D'accord. C'est plus un problème de... Ce qui lève le frein. Ce qui lève le frein, d'accord. C'est plus un problème comme ça que... ok. J.M. Forben, dites-nous la vérité, vous connaissez là. Là, c'est plutôt ça, en fait, voilà, c'est sûr. Ok. C'est bon. J.M. Dileas, dites-nous tout. Mon grand maître Dileas. Mon grand maître Dileas. C'est ça que ça veut dire G.M., non ? Hein ? Grand maître, que ça veut dire ? Grand maître. Grand maître, ça pourrait, oui. Ça peut être grand maître, ça peut être guild master, ça peut être game master, ça peut être...
Allez, on continue. Grosse merde. Oui, alors je préfère grosse mousse que grosse merde, si vous voulez. Mais... bon, on divague là. Allez, allez, on continue. Oui. Vague. Bande de grosses mouches. Et, c'est ça, c'est un cousin de Vogue. Nous avait indiqué, c'est que. Enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais que le roi avait un frère qui n'était pas reconnu ou un demi-frère, je oui. Me rappelle plus exactement. Oui, oui. Bon, Dilia, c'est pas au courant, donc ça, c'est vraiment moi en GM qui vous le dis. Effectivement, vous savez qu'il a un demi-frère un peu bâtard, un peu. Mais qui était proche de son frère. Oui, enfin, et Audred est très proche de son frère, ouais. Enfin, était très proche de son frère. Mais de toute façon, ils ont plutôt intérêt, parce que s'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants à cause de la malédiction du trône, c'est toujours un demi-frère ou un frère qui va monter sur le trône à chaque fois. C'est toujours un demi-frère, d'ailleurs. Ils peuvent avoir des enfants avant d'être couronnés. Oui, c'est ça. Oui. Bah, parce que Éodred est né avant que sa mère monte sur le trône. Oui, d'accord. Voilà. Et là, ils n'ont pas de descendance ensuite en dessous. Là... Ah, pour le coup, il n'y a rien. D'accord. Là, il y a Iléosa et du coup le frère mystérieux. Et c'est tout. Oui. Dans la famille Arabasti, c'est tout. Ok. Bah, écoute, bon, bah, en route. Hein. Pour les égouts. Ouais, ok. Oui. Eh ben, parfait, vous rentrez dans les égouts. Voilà, bah, Toget, elle connaît le chemin. Elle vous indique de la tentacule par où il faut passer, tout ça. Et... elle est un peu timide hein, quand même avec vous et très protectrice de son petit Togepi. Après tout, elle ne vous connaît pas. Hein. C'est clair. Et vous arrivez donc devant la maison de Tog et de Toget. Au bout de... Ouais, il vous faut bien du coup 2 bonnes heures et demie en tout depuis chez Crane. Quoi. On n'a croisé personne. On n'a pas été embêté. Non, vous n'avez pas été embêté. Bah, elle connaît un peu, elle connaît, hein. Elle sait par où faut passer pour pas être emmerdée. Ah, Toget, oh, Togepi, oh, ami mi-humain, mi-tog, et autres humains. Vous avez ramené Toget. Et Togepi. Eh oui, je te l'avais promis, Tog. Ah. Tog, vraiment chanceux à voir. Ami mi-humain, mi-Tog. Par contre, il paraît que t'as pas beaucoup de mémoire, Tog. Hein? Tu le vois qu'il se gratte avec un tentacule le dessus de la tête. Mémoire ? Oui. Mémoire. Eh ben, Toget t'avait dit qu'elle là où elle partait. Tu vois qu'ils parlent entre eux dans un langage que tu connais pas, ce langage un peu... Un langage d'Otyug. Et tu sens qu'elle... elle s'énerve et elle prend un peu le dessus, tu vois. Et lui, il se fait un peu soumis et se retourne après vers toi et dit « Ah, oui. Tog se souvenir maintenant. C'est ça. Tog savoir. Ah, très bien. Merci beaucoup, hein. Ami humain, avoir autre chose de prévu Tog, avoir festin pour ami humain. Oui, on a autre chose. J'ai peur de savoir c'est quoi. C'est littéralement une pile de détritus gigantesque derrière lui.
Bah écoutez, Terrain Doul, je sais pas si vous voulez rester là, mais moi ça me tente pas pour l'instant. Non, faut qu'il garde des réserves pour Togepi. T'as 3 bouches à nourrir maintenant, Tug. Ah, c'est vrai. Mais amis humains, toujours amener nourriture humaine de temps en temps, hein. Évidemment. Ah. On n'a pas fini avec les égouts. Parfait. Merci encore, amis humains. Si tu vois ou entends des choses étranges, n'hésite pas à nous en faire part quand on repasse. Mmh. Oui. Essaie de t'en souvenir. Mmh. Toget responsable souvenir. Ça marche. Bah, dès que tu vois ou entends quelque chose d'étrange, tu le dis à Toget et elle s'en souviendra. Mmh. Oui. Eh bien, écoutez, soyez heureux avec votre belle petite famille. Prends soin d'eux. Mmh. Oh, Tog avoir c'est trouvé ça dans pile, dans trésor. Vous peut-être aimez ça. Tog pas savoir comment s'en servir. Et il vous montre encore une cape. Hein. Décidément, vous faites la collecte. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, j'ai déjà celle qui se transforme en buisson. La collection des capes. Celle qui te met un fringue de dandy. Ouais. Putain. Je suis dans le futur. Ah, je l'ai là. La cape qui change en ordure. Non, non. Ça a l'air vraiment d'être une très jolie cape. Elle a l'air vraiment très très belle, épargnée par. En fait, il la sort de son tas de détritus et elle a l'air comme neuve en fait, presque comme si elle avait jamais servi. C'est vraiment une très très belle cape. Merci beaucoup, Alors, Tog. Qui veut prendre cette cape du coup? Ah bah. Ouais. Je la prends. Ouais, tu la prends? Ouais. Je la prends et tu sais quoi? J'ai presque envie de la mettre direct. Mmh. Okay. Pour le moment, non, il n'y a pas spécialement d'effet. Quand tu la mets sur toi, en tout cas, c'est une jolie cape. Oui, clairement, tu penses que celle-là, ça vaut le coup de l'identifier. Non, mais en règle générale, de toute façon, pour qu'il y ait un effet, il faut connaître. Oui, oui, de toute façon, oui. Vous aurez. Enfin, non, vous pouvez avoir l'effet sans l'avoir identifié, mais vous ne saurez pas l'effet tant qu'il arrive ou. Si vous voulez savoir l'effet avant qu'il soit activé automatiquement, si c'est un effet qui s'active automatiquement, vous ne pouvez pas le savoir. Quoi. Ça marche. Et comment on identifie déjà, tu avais dit? C'est un jet d'art de la magie. Ah, ça tombe bien, on a notre sorceleuse. N'oubliez pas la carte. On a la carte qu'on peut faire 3 fois là. Carte qui donne un bonus d'identification. Ouais. Je me souviens plus du nom de la nana. Zéla. Tu pourrais nous remettre les stats, Forben? Tu veux que tu as enlevé la maladie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Où vais-je la tête? Alors. Non, oh bah ça a l'air bien. Hein. Ah non, non, c'est constitution. Bon, constitution, je suis à 15. Ça non. J'ai perdu un de force. J'avais 9 et 16, je crois. Je sais plus. J'ai un doute. On regardera. Oh, il essaye de tricher d'avoir des. Non, mais j'ai perdu 2 points en stats. Il me semblait que c'était une force et consti. Je crois que je revérifie, mais il me semble. Ouais, on vérifiera sur les vidéos. Mm-hmm.
Pareil pour toi, Terne, je vérifierai. Ok. Tu me fais le petit jet du coup, Elina, d'art de la magie. Zelara donne plus combien ? Plus 10. Donc ah ouais, très très bien. C'est fort. Ça nous fait un 28 donc en tout. Et donc avec ça, il n'y a aucun souci, tu arrives à savoir ce que c'est. Il s'agit d'une cape de chute élégante. Hop. Je te laisse lire la description du coup, Tendul. Ben, tu sais qu'elle s'affiche pas. Ah, referme ta fiche, remets ta fiche au pire. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ok, je l'ai. On la voit. Alors. Ouais, j'ai cliqué dessus. Quand vous tombez en ayant équipé cette cape, vous tombez à un maximum de 18 mètres par round. Et vous ne prenez pas de dégâts en tombant. Si vos deux mains sont libres, vous pouvez à volonté attraper les coins de votre cape et vous en servir de parachute, ajustant votre vitesse de chute. On ne plane pas. Entre 4,5 et 18 mètres par round. En chutant de cette manière, vous êtes immunisé contre l'air maladroit. En fait, vous semblez même plutôt cool en utilisant votre cape comme parachute. D'accord. Bah écoute, s'il y a besoin de sauter d'un château, bah, on s'accrochera tous à Terraine. Donc ça va être compliqué. Mais il va falloir des jets de force. Bah non, ça permet de s'échapper de pas mal de trucs quand même. C'est... Puis il peut se faire. Ah oui, non, c'est. Surtout ne pas prendre de dégâts de chute, ça c'est bien. Ouais, c'est fort. Ok. Donc vous sortez des égouts et vous êtes de nouveau en ville. On est arrivé à début de soirée là. Hein. Vous avez passé beaucoup de temps quand même. Hein. Quand même voir Kaito, je dis écoute. Comme t'es tout le temps en train de crapahuter et de monter sur les toits, cette cape, elle est peut-être mieux pour toi. Ouais, elle m'intéresse bien. Mais moi, j'en ai une pour toi. Vu que t'es toujours au niveau du sol, j'ai celle que tu peux te transformer en buisson. On fait échange. Je préfère me transformer en tapis, mais bon. Je te l'échange. Vous avez l'option avec le petit cadeau ou pas ? Ah, alors attends. J'étais pas sur la feuille. Alors. Hop. Bonjour, petit cadeau, ouais. Pour d'autres objets, est-ce que vous avez l'option ? Vois, j'ai sac à dos et sacoche de ceinture après qui apparaît. Non, bah, je vous inquiétez pas, je vais le faire. Alors. Sac à dos, ouais. Je vais faire un cadeau à mon sac à dos. Dommage. Et donc toi tu lui donnes la cape de buisson ? Ouais, je file la cape de buisson. T'as pas encore le talent pour les chutes ? Non, c'est plus tard. Et voilà. Ah, ça sera plus tard. Ok. Eh ben c'est à vous, hein. Vous êtes en ville, on est sur les coups de 5h30, 6h du soir. Je me souviens plus, j'ai dit au frère de Dias que c'était le. Non, à Dias que c'était le lendemain, mais c'est deux jours après ou oui, c'est le jours. Lendemain. C'est dans deux jours. Ouais, bah écoute, moi je vais prendre un peu de temps aussi, je vais aller à la bibliothèque et faire des recherches sur les maîtres des runes. Mmh. Ok. Vous autres ? Eh ben moi, il est temps d'aller faire joujou. J'ai des oreilles fraîches dans le sac. Donc moi, je retourne à mon labo. Et allez !
Et moi, j'aimerais trouver un magasin pour, enfin demain, hein, certainement, me renseigner où est-ce que je peux trouver un magasin pour acheter de la poudre noire. Mais t'inquiète pas, la poudre noire, tu vas en avoir à la citadelle. Ben oui, mais là, c'est un peu. Ah, t'es à la dèche-dèche là, ça y est? Ouais, c'est un peu ricrac là. Hein. Ah bah écoute, demain alors. Ouais, au moins un petit peu quoi. Il me reste 5 cartouches. Oui. Bah, demain matin. Pour Kaito et Elena, qu'est-ce que vous faites? J'en ai strictement aucune idée. Je vais faire le tour des boutiques d'armes et d'armures, voir si je trouve pas bah des trucs intéressants. Je sais pas, en fait, je veux voir un peu ce qui se fait en termes d'armes. Il y a plein de trucs que je dois pas connaître et ça m'intéresse. Je fais le tour des boutiques. Ok, ça marche. Dans l'optique d'acheter quelque chose, c'est... Bon, de m'informer dans un premier temps, après si je vois quelque chose qui m'intrigue, peut-être, ouais. Il flâne. Ok, ça marche. Écoute, je vais te refiler la page en privé, tu sais, du tableau des armes. Si tu vois un truc qui t'intéresse, Yes. libre à toi. Je le mets à tout le monde, ça peut intéresser. Voilà. Et toi, Elerina, qu'est-ce que tu fais de beau? Avec ton bel. Je me promène le long du port des bateaux. Ok, ça marche. Très bien. On se dit que c'est bon pour cette soirée, du coup, on peut passer à. Vous allez tous rentrer dormir à un endroit, vous n'allez pas faire de nuit blanche. Oui, moi je rentre à l'orphelinat. Ok. Je parle un peu avec. Avec Ishani, avec les enfants. Ishani, ça y est. Ouais. Oui, Ishani, un peu les enfants. On peut le faire en roleplay, hein, si tu veux. C'est Ah, écoute, ce que tu veux lui dire. bonsoir, Ishani. Bonsoir, Enza, oui, bonsoir. Je suis pas rentré hier. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Vous manquez aux enfants, vous savez. Oh, pour une journée ou deux. Mais c'est vrai que Ah, ça me fait plaisir de les voir. parle de vous tout le temps, hein. Vous êtes un peu leur héros, hein. Je croyais que c'était Blackjack. Ah, Blackjack. Oui, d'accord, mais Blackjack, il est inatteignable. Vous venez les voir tout le temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes leur héros du quotidien. Bon, tout se passe bien pour vous? Oui, très bien, vous savez la routine, hein. Vous serez au couronnement d'ailleurs? Est-ce que vous serez présent? Je pense, oui, je pense. En tout cas, on m'a convoqué, alors je pense que j'irai. Ah, bah vous aussi. Nous aussi, on a été convoqués. Si j'ai bien tout compris, on doit servir de garde. Bon, cela dit, ça ne m'étonne pas de vous. Vous êtes, ma foi, très efficace. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de grabuge. Nous l'espérons tous. La ville a bien besoin d'un peu de calme et de repos. Ça devrait aller mieux, enfin, je l'espère. On a réussi à capturer un individu assez dangereux, mais on les a pas tous eus, donc. Enfin, bref, on en saura plus bientôt. J'ai toute confiance en vous. Je sais que vous y arriverez. Vous avez eu des nouvelles de la juge, au fait? Ah, bah bien. Parce que elle avait été. On l'a aidée aussi quand le palais de justice a été pris d'assaut. Non, non, elle n'a pas beaucoup de temps pour passer en ce moment. Elle nous envoie des missives pour nous demander si tout va bien, mais elle n'a pas le temps de passer elle-même. Vous doutez bien qu'avec les émeutes, les jugements partent à l'appel. D'ailleurs, on revenait d'un
d'une visite là, en rentrant à Corvosa, on a croisé pas mal de villageois qui quittent la ville, faute de travail, d'émeutes, etc. Ah oui, c'est malheureux, hein, mais que voulez-vous faire ? Ouais, ils n'ont pas beaucoup foi en l'avenir. Hein, que... Même la reine, ils ont pas l'air d'avoir confiance en ce qu'elle va faire plus tard. Ah, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai une confiance aveugle en elle, hein, disons qu'elle est, un des espoirs de la ville. Il faut à un moment faire confiance et puis entre nous, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Oui, mais vous, elle vous donne confiance ? Vous pensez que c'est un bien pour un mal pour qu'elle remplace le... Ce n'est pas une reine très proche du peuple, mais son mari ne l'était pas spécialement non plus, et il n'était pas un si mauvais roi que ça. Donc après tout, pourquoi pas, hein ? De ce que j'ai compris, il a fait plus de bien après sa rencontre avec la reine. Oui, c'est en effet, c'est vrai. Est-ce qu'il était influencé par elle, ou est-ce que c'était juste pour l'impressionner en quelque sorte ou... Écoutez, je ne suis pas dans les chambres royales, mais j'imagine qu'elle a eu un impact positif. C'est rare de voir un homme changer comme ça du jour au lendemain sans... On peut espérer voilà. Que ça se passe bien alors. En tout cas, oui, je prierai. Tiens, j'étais en train de faire quelques recherches sur les maîtres des runes. Est-ce que vous en savez quelques plus, vous ? Vous y connaissez quelque chose ? Ou ça ne vous parle pas du tout ? D'accord. Je connais vaguement, j'ai entendu parler lors de mes cours d'histoire. Mais vous savez, non, ce n'est pas le cœur de mes études. Ouais, bah, apparemment, c'était une civilisation très très ancienne. C'est très intéressant. Oui, qui a vécu il y a des milliers et des milliers d'années. Ouais, j'ai feuilleté pendant une ou deux heures, là. C'est incroyable. Mais écoutez, je vais aller me reposer. On va raconter un peu plus. Ça marche, pas de souci. Mais oui, vous avez mérité une bonne nuit de repos, j'imagine, comme d'habitude. Demain matin, je prépare le petit-déj. Ah, très bien, très bien. Vous voulez l'aide des enfants ? Ah bah si ça leur fait plaisir, c'est toujours bon à apprendre hein, de cuisiner. Oh bah écoutez, que ça leur fasse plaisir ou pas, il faut bien qu'ils se lèvent tôt de temps en temps, hein. Je les réveillerai, vous inquiétez pas. Ah, très bien, très bien. Et écoutez, reposez-vous bien. Merci, bonne nuit. Allez, au revoir, bonne nuit. Ok. Alors, on est bon pour tout le monde, du coup, tout le monde va dormir. Terendul chez lui. Enzaru à l'orphelinat. Iki dans une taverne random. Oh, toujours la même. Hein. Non. Toujours la même chez Roberta. À la même taverne, ah oui, d'accord. Bah oui, j'ai toujours ma chambre là-bas. Tu m'enlèveras une piécette d'argent du coup. Ah bah écoute. Et une de cuivre. Non, d'argent. Mais une de cuivre pour la bouteille de rhum. Ah, une de cuivre. Ah, et une de cuivre, j'avais compris. Non, une de cuivre. Ah, okay. Et pour Kaito et Lerina au QG ? Oui. Oui. Très bien. Ok, bah vous pouvez, alors je sais pas si on... Non, vous avez pas utilisé de sort. Hein, cette, Après, ceux qui ne sont pas soignés entièrement, vous pouvez faire le long repos pour gagner ces quelques points de vie supplémentaires. Le chat tuteté. C'est une question, est-ce que je suis full ? Bah oui, donc c'est bon. Tog. T'as pas la classe. Je suis pas encore full. Hein ? Donc là, on va commencer le jour 7. Jour 6, vous étiez jour 5 avant. Donc dans deux jours à partir d'aujourd'hui, ça sera le couronnement. Ah non, j'avais marqué matin du jour 6. Donc là, on est matin du jour 7. Alors, c'est moi qui me trompe. Oui, matin du jour 7, alors. C'est qu'on a dû décaler parce que ça a dû prendre un peu plus de temps que prévu et du coup, j'ai mal organisé.
Ok, pas de soucis. Ça me va. Matin du jour 7, Kaito et Larina, vous entendez tambouriner à la porte. Il y a quelqu'un qui est-ce? Tiens la garde, il y a quelqu'un? Je vous la porte. Vous voyez, en tout cas, Elerina, tu vois Big the Wedge. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes demandé à la citadelle. Tous vos camarades sont là? Tous les deux. Ah, et il va falloir les regrouper au plus vite et vous rendre à la citadelle. J'ai bien peur que la maréchale vous demande. Ça a l'air urgent. D'accord. Le maréchal. Pas engueulé encore. On va aller faire le tour pour les réunir. Là. Ok, très bien. Bon, on vient pas avec vous, mais faites au plus vite, quoi. Oui, bien sûr. On y va tout de suite. Merci. À tout à l'heure. Tout de suite. Iki, toi aussi, tu es réveillé par Roberta. Ok. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, les gardes vous cherchent. Faut que vous alliez à la citadelle, au plus vite. Oh, bah, quelle heure il est, là? Il est bien 8h, 8h30, hein, par là. Hein. Oh, il faut que j'enfile ces godasses et puis... Je vais m'y rendre directement. Pas besoin de passer au QG, j'irai directement. Si mes amis passent vous voir, vous leur direz que je suis parti directement à la citadelle. Très bien. Très bien, très bien. Merci, Roberta. Plaisir, hein. À ce soir. C'est ça. Faites attention à vous, quand même. Hein. Ah, bah, c'est gentil, merci. Mettre une bouteille de rhum au frais. Au frais, ouais. Ouais. Je la mets dans la cave, alors ça marche. Ouais, c'est ça. Parce que le frigo à l'époque. Ouais, c'est pas terrible. Bah, je me mets en route. Très bien. Kaito et Larina, vous vous dirigez où? Je pense. Moi, je vais. Enfin, en tout cas, mon idée, c'est d'aller au magasin de Terrain Doux. Je pense qu'il y en a certains qui vont. On sait où lui aura travaillé là-bas, il nous l'a dit. Donc déjà, ça en fera un. Ça marche. Il ne restera plus qu'à trouver les autres. Ça. Très bien. Bon, vous mettez quelques minutes. Hein, c'est pas très loin. 5 minutes à aller à la boutique. À vous. Alors moi, de toute façon, je comptais aller me diriger vers la boutique aussi. Ok, bah. De toute façon, toi, tu te réveilles assez tôt, tu te réveilles très tôt même, donc s'il faut, tu seras. Tu arriveras quelques minutes après eux, ou. Enfin, voilà. Par la magie du jeu de rôle, vous arrivez quasiment en même temps. Ah, bah, vous venez à la boutique aussi, Kaito? Eh oui. Okay. On n'est pas du tout sur le même chemin, on est d'accord? Comment ça? Non, mais je... Si, vous arrivez... Bah, en fait, vous arrivez tous les deux du Nord, donc... Non, on se croise à l'entrée. C'est le hasard. Voilà, oui, c'est... Je venais voir Terrendoul, si tout allait bien. Karen, vous êtes là? Ouais. Ah, et bah écoute, je leur ouvre la porte. Bon, puis j'ai un bandage sur le côté du visage. Qu'est-ce que vous êtes fait? Vous êtes coupé en vous rasant? Ouais, c'est ça, exactement. Habitude. Je me suis trompé de rasoir. Ok. Ça va être prudent quand même. Vous n'avez pas une petite potion, hein, vous pouvez boire, hein? Oh bah écoutez,
J'ai peur que ça s'infecte, je vais laisser le bandage pour aujourd'hui. Ok. Comment ? Ça va mieux la fièvre ? Impeccable, j'ai dormi comme un bébé. Ça c'est... Crâne est vachement fort en tout cas. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Vous avez quelque chose de prévu ? Ben, moi, j'avais encore un peu de boulot, mais... On doit aller à la citadelle. La citadelle, oui. Qui est venu tout à l'heure, en QG. Ah, d'accord. Et Keito, ça a pas l'air de vous affoler. Bon. Est-ce qu'on a besoin encore de s'affoler quand les autres le font pour nous? Mais il y a urgence, Irina, ou comment ça se passe? Oh, visiblement, oui, quand même. On était vraiment demandé, fils. Vous pouvez pas nous le dire? C'est-à-dire que bon, je me réveille, il y a deux gars là qui viennent toquer à la porte, voilà quoi. Je vois que les ninjas ne sont pas des leftos, oui. Bon, bah écoutez, si, allons-y, c'est pas ça, c'est toujours urgent. Terren ? Bien sûr, je finirai ce que j'ai à faire demain. Oui, cet après-midi, on finit tout en ce moment. Allons-y. Ok, donc vous arrivez, vous vous souciez pas d'Iki ? Excellente question. Bah, il est où, Iki ? Bah, j'imagine bourré à son auberge. Savez-vous ? D'habitude, ça arrive qu'il... Non, il est déjà dormi ici, non ? Non, il a juste déposé son argent. Non, il dort toujours à l'auberge. Bah, passons à l'auberge, alors. Passons à l'auberge, on verra bien. J'ai pas de rhum ici, hein. Il reste pas longtemps. Ok, bah vous arrivez à l'auberge et vous voyez Roberta qui vous dit directement « Ah, si vous cherchez Iki, il est déjà parti à la citadelle !» D'accord, bah ouais, il a eu le message aussi. Bah oui, c'est le Mac Grinçant, hein, forcément. Vous savez, les gardes, ils passent tous par là. Hein. On invite les nouvelles ici. Ok, ça va, c'est sur la route. Merci, Roberta. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Ouais. Ok. Vous arrivez donc devant la citadelle où vous recroisez pour certains Biggs et Wedge qui, au moment où vous rentrez, il y a Iki qui vous attendait devant aussi, vous mettent en garde. Ils vous disent « Faites attention, bon, le maréchal Croft est un peu remonté. Apparemment, il y a un gosse gentil qui est venu se promener en ville et il s'est fait buter. Et bon, ils sont tous un peu remontés. Vous savez, quand une émeute s'apaise, c'en est une autre qui menace d'éclater. » Bon, alors, il y a un enfant qui est mort. Un enfant Shuanti, oui. Alors, Shuanti. Pour Terren Dul, au moins. Alors, je sais pas si vous saviez déjà. Bon, de toute façon, c'est facile, c'est le contraire de méchant. On en a déjà entendu parler du peuple du Shuanti. Ouais, le peuple Shuanti, c'est le peuple indigène, on va dire, qui habitait ici avant que les colons arrivent. Ouais, le mot me parle, mais alors là, j'ai pas pu resituer le. Ouais, le pas de souci, pas de souci. C'est le peuple qui vit dans, au nord. Qui est au nord, dans le désert. Nord-est, ouais. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, donc il y a un enfant qui a été assassiné. Exactement. Le maréchal est dans son bureau, en train de discuter avec l'ambassadeur Shuanti. Elle essaie de lui faire entendre raison, mais. Et qui est l'assassin ? Ben justement, moi j'en sais rien en tout cas, mais. Mais il y a beaucoup de Shuanti à Corvosa ou c'est très ciblé? Il y a une petite population, mais c'est vraiment... les Shuanti qui sont là, ils sont très vite... ils restent jamais longtemps parce que c'est... Comment dire? Ils sont un peu victimes de racisme. Ok, je suppose que c'est pour ça qu'elle veut nous voir.
Ben oui, oui, elle pense que vous serez capable de l'aider à résoudre le problème. Ah bien, après, on n'est pas magicien non plus. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas magicien. Ok, de quoi quand même? Je t'ai déjà vu grandir 2-3 fois ta taille, ça reste un peu de la magie. Ah bah c'est de l'alchimie, vous m'avez appris les sacrées potions quand même. Appelons ça de la magie. Ah ok, si vous voulez. C'est vrai qu'on diffuse un peu de magie dedans. Ok, alors, quand vous arrivez dans le bureau de Cressida, elle n'est pas seule. Un chouanti plutôt âgé, qui s'appuie fortement sur une canne en os surmontée d'un crâne d'une bête plutôt conséquente, est présent. Et alors ses yeux sont d'un blanc un peu laiteux, sans pupille. Et par contre, il semble savoir exactement où vous êtes quand vous rentrez. Il vous fixe un à un droit dans les yeux. Et il ne sourit pas et son air semble plutôt sévère. D'accord. Donc, pour nous, il paraît aveugle, mais... C'est ça. Mais il nous... Mais... Oui, enfin, selon nous, il nous regarde, donc quelque part, voilà, il nous a capté. Ouais. Voilà, c'est ça. On peut s'attendre à... je sais pas, l'équivalent d'un... Comment ça s'appelle ? Zemeuil ? Non, d'un sage ou d'un... D'un chaman. Un chaman, voilà. Ouais. Ça. Mm-hmm. Je cherchais ça. Cressida prend la parole de suite. Et vous dit bonjour aventurier, bonjour. Désolé de vous avoir fait lever aussitôt. Je vous présente Milhos. Il est le chaman du clan des Squaqua, exactement. Le clan du crâne. Asseyez-vous, je vous en prie, prenez place. Hier, ouais, je t'écrirai ça, t'inquiète. Hier, alors que les violences faisaient encore un peu rage en ville, non, pas hier, il y a quelques jours, parce que du coup, ça a un peu chamboulé ma timeline. Alors que les violences faisaient encore un petit peu rage en ville, le petit-fils de Milhos s'est fait assassiner. Et Milhos est ici pour trouver une solution pacifique à ce problème. Et là, Milhos se lève, s'appuie sur sa canne et dit... Mon peuple a travaillé dur pour comprendre le vôtre, mais on dirait que chaque jour, votre peuple travaille tout aussi dur à ranimer de vieilles rancunes. Mon petit-fils est décédé, battu à mort par des lâches dans les rues de cette ville. Je ne rejette pas la faute sur vous, mon petit-fils était un malfrat, et ce n'est peut-être pas plus mal s'il est mort. Mais mon fils, comme sa famille, ne sont pas aussi miséricordieux que moi. Ils veulent retourner chez les Squaqua, dans les terres cendrées, pour s'allier aux Sclarquois et déclarer la guerre à Corvosa. Ce serait un désastre pour nos deux peuples. Vous devez faire amende honorable. Nos coutumes ne sont pas les vôtres. Si le corps ne brûle pas en entier sur le feu des dieux, la fumée de l'âme du guerrier ne peut pas s'élever vers l'immensité du ciel. Si je pouvais envoyer l'esprit de Kindortok dans l'immensité du ciel avec honneur et dignité, son père et ses frères m'écouteraient et contiendraient leur colère. La perte du corps n'est vraiment que la seule raison de leur colère. Les négociations de paix entre votre peuple et le mien pourront alors continuer. Kindortok n'a pas seulement été assassiné. Son corps a été volé sur les lieux du crime, vendu par un marchand de cadavres à un nécromancien nommé Rolls, un criminel aux yeux de nos deux peuples, si j'ai bien compris. J'ai parlé aux esprits, et ils m'ont révélé que Kindortok avait été emporté sous votre cimetière, dans un endroit que les esprits ont appelé les catacombes des morts. Sachant cela, je pourrais sans peine mener un groupe de nos meilleurs guerriers dans ces catacombes et récupérer le corps de Kindortok. Mais les vôtres considéreraient cela comme une agression. Non, c'est à vous de réparer le mal qui a été fait. Vous devez nous ramener le corps de Kindortok ou nous serons obligés de venir le chercher. Et bien que cela me peine de le dire, si cela devait arriver, nous ne serions pas tendres. Vous avez 7 jours à partir d'aujourd'hui. Après cela, mon clan repartira dans les terres cendrées et nous lèverons une armée. Et sur ces belles paroles, il prend sa canne et sort de la pièce. Kindortok. Charmant. Non. Grand-papy Kindortok. Non. Enfin, ça y est, j'ai tout perdu.
Alors, Kindertok est le petit-fils de Milos, le chaman qui vient de vous parler. C'est Milos. Voilà. Rolls, quoi. Faisons simple, c'est comme d'habitude. Ils ont fait une connerie, et c'est à nous de réparer. Alors, c'est combien cette fois ? Non mais attendez, Maréchal. Rolls, qui a pris le corps ? Rolls aurait acheté le corps de Kindertok. Donc Rolls est en ville ? Apparemment, oui, il semblerait. Vous voyez, Enzaru en train de réfléchir. Je fais appel à vous, aventurier, car je n'ai aucune envie que cela s'ébruite. Et qu'envoyer des gardes fouiller les catacombes, ce n'est, je pense, pas la solution la plus discrète pour résoudre un problème diplomatique de ce genre. J'ai une autre raison pour faire appel à vous, mais je préférerais la garder pour moi. Vous en saurez sûrement davantage dans quelques temps ou quand le problème aura été résolu. Bref, vous l'avez entendu, Roll s'est impliqué. Je suis en train de voir avec l'académie pour les secouer un peu et leur faire sortir leur dossier d'alumni de Rolls. Je sais que cela vous tenait à cœur, elle te regarde, Enzaru. Mais j'ai maintenant une raison d'état de les obliger à le faire. Donc, voilà. Oui, couplé au rapport que nous avons sur lui depuis quelques années, cela met un peu de grain à moudre dans notre moulin. Oui. Non, je disais, j'ai essayé effectivement de passer à l'académie, mais les portes étaient fermées et ils n'ont pas voulu me recevoir. Nous parlerons de la récompense quand vous aurez accompli la mission. Cela m'étonnerait fortement que Rolls se trouve dans les catacombes quand vous y serez. Mais sur un coup de chance, tout est possible. Dans tous les cas, le corps de Kindor doit y être et vous devez nous le ramener en entier. Si la réputation de Rolls est telle qu'elle est, je doute que vous retrouviez son corps en un seul morceau. Bon, on finira bien par s'en sortir. C'est une bonne mission pour nous. Moi, je suis assez content. D'habitude, on doit toujours chercher quelqu'un et ramener quelqu'un de vivant. Là, il suffit de ramener un corps. Bon, on a quand même un problème. Ah, lequel ? C'est que 7 jours et après-demain, on est censé protéger la reine. Vous savez, les catacombes... Oui ? Les catacombes, où est-ce qu'elles... Donc, elles sont au cimetière ? Vous avez une carte pour nous indiquer par où rentrer ? C'est le sud, c'est ça, non ? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le sud... Le sud de la ville. Oui, on voit bien où est, mais on va pas fouiller tout le cimetière. Est-ce que vous savez par où est-ce qu'on rentre dans les catacombes ? Vous devriez demander aux prêtres qui sont là-bas. D'accord, aux prêtres de Pharasma. On pourra y accéder, hein, il n'y aura pas besoin de passe ou autre chose. J'ai déjà les documents, il n'y aura aucun souci. Bon, moi, ça me va bien, 7 jours. Hein. Demain, on va au couronnement, on fait notre mission... On se prépare demain. Tranquillement et non, c'est demain, pardon. Et après-demain, descendre dans les catacombes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je crois que vous comprenez pas la situation là, Iki. On parle de la personne que je recherche activement. Autant son père, je m'en fous un peu. Autant. Je sais bien. Mais souvenez-vous, les fois précédentes, à chaque fois qu'elle recherchait quelqu'un, on a dû attendre. Il a fallu s'armer de patience. Est-ce que ça va changer quelque chose si on y va demain plutôt après-demain, plutôt que se précipiter maintenant et encore bâcler le travail. Couronnement est demain, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Vous voulez vraiment prendre le risque ? Je vais déjà y jeter un œil aujourd'hui. Je ne peux pas patienter, je veux déjà savoir où. Au moins faire du repérage et voir ce qu'il en est. Je vous suis, j'espère que Meito n'est pas impliqué là-dedans. Bon, j'ai toujours suivi le groupe, je suis malgré mon désaccord. Est-ce que vous avez d'autres informations, Maréchal ? Milos dit que c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, au crâne rasé. Il porte une cicatrice sur la joue gauche. Souvenir d'un coup de griffe de fourrure ardente. Kindor a plusieurs tatouages tribaux sur tout le corps. Il est vraiment fort peu probable qu'il y ait d'autres Shuanti récemment décédés dans les catacombes des morts. Cela devrait vous suffire à le reconnaître. Cette description de l'univers. Oui.
Ça pourrait. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Je suis en train de penser à un truc, mais je pense que c'est pas ça. Jet de sagesse. Ben, c'est sommaire, sagesse. Oui. Oui. Non, là comme ça, ça ne te dit rien. Parce que les autres veulent tenter de savoir. J'ai pas entendu ce qu'il avait dit. Ah, est-ce que ça, la description lui dit quelque chose? Ouais, je vais essayer, mais je vois pas. Faites-le tous en fait. Faites-le tous. J'ai une question. Est-ce que la personne qui était dans l'éprouvette, enfin dans le. En train de se faire injecter de l'imp et du pseudo-dragon, là. Mm-hmm. Il avait des tatouages, il était... Non. Ok. Non, par contre, Terendul et Enzaru, ça vous rappelle quelqu'un. Enfin, je montre l'image à tous, mais... est-ce que cette image vous rappelle quelque chose à vous, les joueurs? Alors, moi, pas... Du tout. En vrai, ça ne me parle pas non plus. Alors, vous l'avez croisé il y a quelques jours avec une hache à deux mains. Ah. Ok. Okay. Ah bah, oui, je m'en souviens plus, moi. Je me suis fait un peu trop fort sur le crâne. Ok. Voilà. Effectivement, mais ça a été assez court. C'est ça. Le souvenir est vraiment... Vous vous dites plutôt, tiens, ça pourrait être lui, que c'est lui, quoi. Vous n'êtes pas sûr et certain que c'est lui, mais dans votre esprit, il y a une possibilité que ça soit lui, on va dire. J'ai des bonnes intuitions des fois, mais elles sont pas aux bons endroits. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'au début, quand tu m'as dit, je pense à quelqu'un, je me suis dit, oh, peut-être, alors peut-être. Je me souvenais même pas que tu nous avais montré le portrait. Si, ouais, je vous l'avais montré. Exprès, justement. J'ai dit, peut-être l'occasion. Mais en fait, je pensais pas qu'il allait se passer autant de choses entre les deux. Et du coup, c'est normal que vous en souveniez pas. C'est clair. C'est ce que ça date. Hein. C'est clair. Alors, En jeu, on s'en rappellerait, quoi. Il se passe que... Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que... là, c'est pour ça que... C'est pour ça. Okay. Alors, parce que là, il s'est passé que 2-3 jours, hein, en gros, depuis que... Que je me suis fait agresser, c'est ça ? Cressida reprend. Oui, c'est ça, oui. Cressida reprend. Nous avons emprisonné l'homme qui a vendu le corps de Kindor à Harolds. C'est un simple homme nommé Elkaris. Il a tout avoué quand on lui a dit ce qu'il se passait et les ennuis qu'il s'était attirés. Elkaris dit qu'il a mis le corps sur une brouette et qu'il l'a livré au quartier du Potier. C'est dans un mausolée à moitié effondré, près de la limite sud du district gris. Alors, à côté de l'entrée du mausolée, il y a la statue renversée et décapitée d'une gargouille qui brandit une épée. On lui a dit de laisser le corps derrière la gargouille. Cet endroit correspond à celui où Milos pense que se trouvent les anciennes salles funéraires. Chouanti, appelées les catacombes des morts. C'est donc le meilleur endroit pour entamer vos recherches. Eh bien, on commencera par là. Okay. Donc, à côté d'une gargouille, c'est ça ? C'est ça. Si vous voulez... Oui, c'est ça. À côté d'une statue de gargouille dans le quartier du Potier. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le prêtre... qui officie, il saura vous répondre. Il saura vous guider. Super, impeccable. On va aller le voir tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, j'y vais. Très bien. Mmh. Bon, au plus tard, de toute façon, on se voit demain matin pour le couronnement, en espérant qu'il n'y ait pas de turbulence entre deux, enfin bref. Oui, cette semaine va être mouvementée.
J'espère moins que ce que nous pensons, mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Non. Bah, écoutez, moi j'y vais de ce pas. Oui, pas de problème. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous... Bah, nous envoyer un message. Très bien, très bien. Quand vous reviendrez, demain déjà, en tout cas, quand nous nous verrons, j'aurai sûrement les premiers résultats de l'interrogatoire de Gaïdren. J'aurai sûrement quelques réponses à vous donner. D'accord, super. Voilà. Iki, nous avons réussi à transformer quelques-uns des explosifs, quelques-uns des minerais en poudre, si cela vous intéresse. Ah, ouais. Parfait. C'est super. Ça tombe à point nommé. Vous avez une corne ou quelque chose ? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Donnez ça à l'intendant en sortant et il vous remplira ça. Merci bien. Très bien. J'apprécie fortement. Mais c'est nous qui apprécions vos services. Très bien, merci beaucoup et nous nous voyons demain alors. Soyez prudents dans les catacombes si vous y aventurez aujourd'hui. C'est reçu. Et voilà, nous allons arrêter cette session sur ça. Ben, merci, hein, c'était une bonne session, une bonne longue session. Beaucoup de RP. Yes. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, a priori, si tout va bien. Ciao, ciao tout le monde. Ah, ciao, bonne soirée. Bah, chaud. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode est terminé. Il est l'heure de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis-nous. Tous les liens sont dans la description. Allez, Minsk, on y va. Nous, on a encore du gobelin à dérouiller.